aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Syconium, mais c'est Halloween. Oui, on tourne l'épisode le 31. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Premièrement, avec ça exactement et ça, on peut créer un XP extractor. Je vais vous montrer le craft. Alors, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Donc, avec ça, là, ça met un bloc de redstone nécessaire. On va prendre le redstone et paf, c'est stylé, je sais. Donc, je vais mettre ça. Par contre, là, vous voyez que j'ai 39 niveaux. Si je veux, genre, que 20 petits trucs d'XP, j'ai un truc d'XP. 50 et 100. Et ça peut se stack. Vous voyez, c'est pratique parce que c'est pas cher. Par exemple, les petites fioles là, c'est juste de verre. Donc, à partir du moment où vous avez craft ça, donc vous avez de l'XP, vous pouvez tout stocker. Où est-ce que je vais mettre ça moi? Et oui, j'ai bien farm les métiers. Et comme il y a eu la mise à jour Halloween, bah, je vais pouvoir faire du pain. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais. Ah bah vous voyez, j'ai up de métier. Là je suis passé level 3. Là je suis level 3 mineur et level 2 hunter. Vous voyez, j'ai bien farm quand même. Au moins vous risquez pas de mourir de faim. Vous voyez, vous risquez pas de mourir de faim avec tout ça, je peux vous le dire. Voilà. Alors, pour ce qui est du reste, je vais vous montrer un peu. Regardez, ça sera pour quand je passe level 5 mineur. Bon, ça fait toutes les graines, hein. Voilà. Oui, je sais, c'est un peu le bordel, mais bon. Autrement, le reste de mes vraies ressources sont dans mon under chest. Du coup là je rec, il est 8h, hein, pour vous dire. Parce que l'event se finit le soir même. Donc il y a ma petite salle d'enchant. Vous voyez, j'ai la Syconium Sword, voilà. J'ai mon stuff, mais qui est tout pété. Et du coup ça, c'est les Lucky Pumpkin. C'est les sortes de Lucky Block, mais d'Halloween. Par exemple, dans la mise à jour Halloween, attends, je vais juste faire cuire un petit peu. Voilà. Vous voyez, la mise à jour Halloween. Avec le J maintenant, il y a Event. Et vous voyez que quand on fait échappe, il n'y a plus les trucs d'XP parce qu'apparemment les joueurs pensaient qu'ils avaient perdu leur XP. Enfin voilà. Donc quand on fait dans Event, là c'est les points. Ces points-là, on les gagne en vendant tant de pumpkin. Enfin, pumpkin c'est citrouille. Hein. Oignon Tom a une dyslexie, donc c'est normal qu'il ait oublié le P ou les trucs comme ça ou tout ça. Si vous ne l'embêtez pas s'il écrit mal, juste ça. Et du coup, maintenant que j'ai les points, c'est 300 par Lucky Pumpkin. Je peux en acheter. Du coup, je vais m'en acheter. Hein. Donc, je finis par en avoir 13. Voilà. Alors, on va les ouvrir. J'en ouvrir un là, si vous voulez. Oui, du Syconium, c'est très bien. Avec une petite. J'étais encore en vaniche. Oui, ok, je sais. Oui, bon. J'ai oublié. Ça arrive à tout le monde. Avec là, j'ai eu du Syconium, par exemple. Et la soupe de citrouille. Je pensais que c'était dans le jeu. Mais en fait, c'est le mode qu'il le rajoute. Je pensais vraiment que c'était déjà dans le jeu à la base. Je vous jure, regardez quand je mets ça, avait là c'est du champignon et soupe de citrouille, c'est Syconium mode. Vous rendez compte? Bien sûr, dans la mise à jour Halloween, il y a eu des items collector, genre le chapeau de sorcier là, ou encore la citrouille. C'est pratique le GU quand même, juste ici qui se dropera sur le boss d'Halloween, donc il y aura le boss en fin de journée. Oh, j'ai envie d'en ouvrir un autre. Ah bah voilà, j'ai éteint cette trouille, c'est pas ouf.
Bah, tout est en rapport avec Halloween, quand même. Et si j'ai de la chance, je pourrais avoir... Bah, le chapeau de sorcier, voilà. Ou du thorium. A few moments later. Autrement, je vais vous montrer un peu rapidement la petite ferme à citrouille. Bon, je vais juste prendre ça, là. Et vous voyez, là... c'est un endroit pas mal grand, hein, où on peut fermer facilement la citrouille, voilà. C'est la ferme de Undercant. Bon, j'ai mis plus de graines car il m'en manquait, j'ai farmé pas mal de temps, mais voilà. Après, vous avez juste à prendre les cisailles. Mettre une torche avec, et voilà, vous avez 3 points, c'est plus simple. Bon, alors là, par exemple, j'ai récupéré un peu de citrouille chez Undercant. Pouf. Voilà. J'ai les carrés de pumpkin, je peux vendre. Ouais, ça m'a pris 2 secondes, hein. Donc là, on les met genre là. Voilà. Plus 2 points. Oui, mais ça va très vite. Ça va très vite. Moi, ouais, c'était bon, j'en ai assez. Mais bon. Du coup, j'ai pas trouvé de pillage. Hein. Ouais, j'ai pas trouvé du tout de pillage. Oui, je sais, je suis déçu. Et alors? Bon, au moins, j'ai pu faire cuire de la pierre. Qui était là. Et maintenant, avec ça, on peut faire... Pouf! Une tombe. Oui, parce que je l'ai aidé pour le faire un citrouille. Normalement. Là, j'ai pas le truc, mais... Normalement, si on a le soul... Sous le potion et qu'on fait clic droit dessus, il y a un fantôme qui apparaît. Oh. Allez, j'ai envie de fight. Bon bah... Merci. Merci pour le stuff. C'est bien les 1v1. Bon, là je vais ouvrir... Mais le Keepumkin là. Ah bah... pas ouf. Oh oui! Oui. J'ai eu le chapeau de sorcier. Regardez-le. Oui, j'ai eu le chapeau. Regardez, il est trop beau. C'est trop bien pour la déco. Pour faire mon stuff parce qu'il est tout cassé. Bon. C'est bien d'avoir plein de psycho, mais... J'ai farmé longtemps pour avoir ça. 21 psycho, beaucoup de trucs. Ah, c'est vrai, moi ça. Attends, event. Attends, on peut pas mettre ça là. Oh, vous en pensez quoi? C'est trop stylé ça quand même. Bon, je vais peut-être continuer à farmer plus tard. Bon, au moins avec ça, j'ai me crafté un arc. Pouf. J'ai le ticonium beau. Normalement, il devrait me rester du lapis.
Booster, on peut pas l'enchant. Solidité 3, allez. Bon, c'est mieux que rien. Full Staff Psycho. C'est bon, je suis content, j'ai Full Staff Psycho. Pouf. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, j'ai récupéré au moins mes trucs. Voilà. Bon, bah, on est bien là. Bon, on se retrouve pour le boss. A few moments later.